précis. Donc vous racontez les coulisses déjà de cet acte héroïque, puisque c'est elle, Ina, qui apprend déjà à servir d'une tronçonneuse pour tronçonner cette croix. Qui fait 8 mètres. Oui, d'ailleurs, elle ne pouvait pas confier ça à un homme, ça ne serait pas été possible. Mais le principe des femmes, c'est que ce sont les femmes qui font les actions. C'est un mouvement mixte, en réalité, on ne sait pas, il y a des garçons qui militent, mais il n'y a que les femmes qui font les actions. Et la façon dont elle fuit son domicile après qu'elle soit. Ça, c'est après, c'est incroyable. Elle saute par la fenêtre, vraiment, pour fuir la police. Il y a des gardes qui sont devant la porte de chez elle, et effectivement, au milieu de la nuit, ils essaient d'entrer. Et c'est des policiers, visiblement, qui viennent l'arrêter, puisqu'elle est recherchée déjà sur toutes les télés, et la police a prévu qu'elle viendrait l'arrêter. Et effectivement, elle saute par le balcon, et là, un ami l'emmène, il change 3 fois de voiture dans une station de lavage, puis on la met dans un train, elle passe par la Pologne. Et moi, au moment où je vais faire un film pour France 2, et que j'appelle une amie en